La vie est faite de joie et de peine. On a tendance à aimer ceux qui nous font souvent du mal. C'est assez étrange comme façon de voir. Pourquoi ce besoin de rabaisser les plus faibles? Est-ce une manière de satisfaire notre ego? Les gens sont pleins de cupidité et de malveillance. C'est le monde que nous connaissons aujourd'hui. Je vis dans une société où le harcèlement est un sport national. Car faire du mal à autrui devient malheureusement monnaie courante. Assis sur le balcon, je pense à toutes ces paroles que j'ai parfois sorties et ces personnes blessées malgré moi. Pourquoi certains souvenirs sont-ils plus faciles à retenir que d'autres? Pourquoi existe-t-il toujours autant de douleurs dans le monde? Pourquoi sommes-nous toujours insatisfaits dans ce monde? Pourquoi tout semble parfait au départ et par la suite un carnage? Pourquoi? Pourquoi certains décident-ils de prendre des distances? Pourquoi le bonheur des uns fait-il le malheur des autres? On semble satisfaire les gens, mais on réalise que parfois ce n'est pas suffisant. Quel est mon rôle sur Terre? Qui sommes-nous? J'ai posé mon regard un 22 avril de Pâques sur cette Terre. Est-ce que cette date définit qui je suis? Mais qui suis-je? Pourquoi a-t-elle dit « je m'en vais sans jamais revenir » Pourquoi le père décide de prendre une autre femme alors qu'il en a déjà une? Et si on refaisait le monde avec des si, pourquoi y a-t-il autant de pauvres dans ce monde? Pourquoi réalise-t-on la valeur d'une chose après l'avoir perdue? Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, quand je ferme les yeux, je rêve d'un monde en paix. Mais pourquoi tout cela n'est qu'utopie? Pourquoi renie-t-il Dieu et se souvient de lui quand tout va mal? Pourquoi on a l'impression que le passé nous rattrape toujours? Est-ce une manière de dire qu'il influencera toujours le présent? Pourquoi certains décident de baisser les bras quand ils sont près du but? Pourquoi certains sont plus motivés que d'autres à réussir? Pourquoi tant de haine entre humains? Malgré nos différences, nous avons la même couleur de sang. Pourquoi je me pose tant de questions mais aucune réponse? La réponse est parfois dans le cœur de celui qui la pose. Pourquoi? Pourquoi cet enfant a-t-il été abandonné? Pourquoi son père a refusé de le reconnaître? Pourquoi elle a eu peur la première fois qu'il lui a dit « je t'aime » Pourquoi certains souffrent-ils plus que d'autres du rejet? Pourquoi? Pourquoi suis-je ici à me poser tant de questions? Pourquoi suis-je ici à me demander ce qui arrivera demain? Pourtant, il est écrit de ne pas se soucier du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine.